Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Matin, vous êtes sur la chaîne de canal Radio Télémèpfé, la voix des Angéliques internationales. Pas oublier que vous ne sous pas mon info, chaîne Paola, chaîne Solution. Oui, matin, nous avons regardé une belle photo maintenant, côté que les gens de Britannique ont manifesté, ils ont annoncé manifestation le 31 décembre 2022 pour annoncer. Va les misères à passer dans le pays ça, pas qu'à gagner un changement social, et bien maintenant, ils ont moins de changements pour l'Europe. Donc, c'est ça, nous allons voter pour matière. L'autre côté, nous gagnons réforme des retraites, divergence entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. C'est sous des thèmes ça, matière, nous allons concentrer pour nous capables de parler avec vous et informer vous sur tout ce qui a passé dans la proche Europe là. Pas oublier les gens qui ont recours là, c'est alias Bika. Donc, Pasteur Sadrak, n'est-ce pas? Donc, ou même qui a peine fait tant de sous chaîne ça, nous demandons activer petite cloche notification par ou capable. Eh bien, mettez-les sous toutes pour capable joindre chaque nouvelle vidéo que nous voyons. Et c'est comme ça tout ou capable aider nous, pour capable aider nous avancer avec Canal là. Ou même non l'autre côté qui t'a remis aider nous avancer qui veut travailler dans fait ali important ou t'a remis ba nous le bras et courage pour avancer là-dedans ou capable reler nous sous 849 354 90 81 et l'on reler nous comme ça maintenant ou capable dire nous est-ce que vraiment ou disponible pour capable ba nous le bras aider nous de façon économiquement pour que nous soyons capables de faire des arrangements et aider nous à avancer avec les fondations à Timon Noyo. Ou même qui t'a remis le canal là avancer, t'as deux bon ben plus belle image et nous espérons que vous appelez nous. Ça c'est le numéro WhatsApp PAN 849 354 90 81. Nous arrêter, nous pas déplacer sous chaîne là. Et on seul bagaille n'a continuer faire ou même qui déjà activé déjà ou capable. By like et partager vidéo pour nous. Et ensuite ou même qui poko activer n'a mando profiter faire. Kounia ban love là. Activer tu cloche notification pao et puis ensemble pour avancer. Yon l'autre côté, Claude fait gros démonstration dans le pays Canada. Nous pourrons montrer la finale pour Kounia. Oui, boîte nouvelle là, li déjà ouvri déjà, li en question avec vous matin. Nous dit que, et maintenant, par ailleurs, cela fait 40 ans que le Royaume-Uni et les gens britanniques n'avait pas connu pareillement mouvement social. Plus de millions de travailleurs s'apprêtent à faire grève entre les 12 et 31 décembre à l'appel de leurs différences centrales syndicales risquant de paralyser une partie du pays pendant les fêtes de fin d'année. Le Chimeno, déjà mobilisé depuis l'été, vont débrayer au moins 8 jours des dizaines de trains au départ de Londres, mais aussi les Midlands et le Nord. L'Angleterre seront supprimées. Ouyouyou. 14 opérateurs de chemins de fer seront affectés. C'est pas petit bagaille, non? C'est pas petit bagaille. Ça veut dire son mouvement social total de blocage en Angleterre. Donc, ou même, qui ça ouais? Ça t'a fait sentir que nouvelle année qui a venu 2023 l'a entrée avec un pile chaleur. Quelques 115 000 employés du royaume, du royal, mais la poste privatisée au début des années 2010, qui ont déjà accumulé 12 jours de grève depuis juillet, sont repartis pour 10
autre jour d'arrêté de travail depuis vendredi 9 décembre. Les bagagistes vont débrayer à l'aéroport d'Eyrgourd à Londres. Ou même qu'à voyager vers Londres, dans date ça, ou bien qu'à sortir à Londres, dans date ça, très prudent. Bien, n'a pas une petite pause, n'a pas tourné tout de suite sous les affaires de l'Europe sur la question internationale. Le second terme, toujours en Europe, la réforme des retraites, divergence entre Emmanuel Macron et Elisabeth. En d'autres termes, on disait tension entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Donc, c'est tout ça, nous allons développer pour nous prochain bulletin là. Bulletin là. N'a pas de vous partager pour nous, ou même qui à peine sont tombés sur le canal, ça partager pour nous toutes les vidéos. Bano love là, si vous pouvez vous activer, bano li. Et ou même qui t'a remis, aidez-nous. Regardez. Pas si c'est pas de faire ça. Parce que la bonne pour nous, en pile. Nous encourager vous. Partager. Partager. Aidez-nous faire travail là, jusqu'au bout. Parce que nous t'a remis, accompagner, peuple nous. Nous avons accompagné toute population dans pile travail, dans pile bagaille, en pile pour dire, partagez, like, supportez-nous. On continue, tambour a commencé à chauffer. Il dit, redoutant une tempête sociale, la première ministre a obtenu d'Emmanuel Macron un rapport de la présentation de ce texte clé au 10 janvier 2023. Le temps, espère-t-elle, d'amadouer l'opinion et peut-être aussi d'assouplir la position du chef de l'État. Publié aujourd'hui à 5h37, mise à jour à 13h52 par Claire Gatinoir, Ivan Tripebach. Et c'est tout ça que nous allons aller développer pour vous dans la prochaine information. Restez là, restez branchés sur chaîne Paola, chaîne Bonne Nouvelle. Qui est Elisabeth? Elisabeth Borne est le ministre Solidarité de l'Autonomie des personnes handicapées. Jean-Christophe Combe. Lors du Conseil national de la refondation de Bercy, le 9 décembre, des trains en grève, des magasins, portes closes, des embouteillages sur des centaines de kilomètres et des manifestations dans la capitale. Le souvenir de ce mois de décembre 2019 et de ce Noël gâché, pour des milliers de familles, suffit à classer le sang d'Elisabeth Borne. Il y a 3 ans, la réforme des retraites enflammait les rues quand d'Edouard Philippe, son prédécesseur, restait droit dans ses bottes. Les jupéistes seraient-ils un antimodèle pour celle qui fit des classes politiques avec Lionel Jospin? Le premier a échoué à faire travailler les Français jusqu'à 64. La seconde veut aller au bout du bout de dialogue, dit son entourage. Restez là. Navigue tout de suite avec plus d'informations sur cet article. Qui peut s'entendre? Cette réforme maudite par Emmanuel Macron sans déclencher une tempête sociale. Un œil jeté outre-manche où le Royaume-Uni est embourbé dans les grèves montre suffit à la convaincre du climat explosif qui détense discussion qui règne en Europe dimanche
11 décembre, au soir, après 3 jours d'intenses discussions avec le président de la République, Elisabeth Borne, a obtenu du chef de l'État quelques petites semaines de sursis, décalant la présentation de la réforme au 10 janvier 2023 et non plus au jeudi 15 décembre comme initialement prévu. Une faveur arrachée à la condition que ce rapport ne déclare pas la mise en œuvre de la future loi souhaitée pour l'été 2023. Après un passage en conseil des ministres le 23 janvier. Ce qui s'est auparavant. Ici, à la radio Télémèbe fait la voix des Angéliques internationales, je me pose une question très forte avec le monde. Est-ce que le président Emmanuel Macron est tout à fait d'accord avec ce projet? Et pourquoi ce recul du réforme? Alors ici, nous continuons pour nous dire, encore pour vous informer, réforme des retraites, report au recul de Macron. Alors que le projet devait être présenté le 15 décembre, le chef de l'État a annoncé à la surprise générale qu'il serait finalement dévoilé le 10 janvier, par crainte, selon l'opposition, d'une contagiosité, des mécontentements durant la fête de Noël. Donc, c'est-à-dire que, quand même, il y a des choses. Il est inquiet, il est inquiet. Il est inquiet pour n'est pas éclaté des guerres ou bien des exclusions sociales en France. Donc, pour la Noël. Donc c'est ça, nous-mêmes, notre thème pas nous, en Haïti ou bien en Haïtien, capable de dire. Donc, le président Macron, il doit un petit peu peur pour que. Et ça n'a pas été déclenché une exclusion sociale en plein de Noël, mois de décembre. Donc, si tu as gagné un bagage, peut-être, puis tu n'as pas les mains, quand même, Noël là, faut le passer. Donc, c'est ça. Oui, nous ne pas aller plus loin. Mais si tu n'as pas fait nouvelle, mais nous bail nouvelle. Donc, nous sommes capables d'analyser ensemble. Donc, nous prenons un petit temps maintenant pour nous capables parler avec vous. Un peu de football, parce que je veux dire, la sélection française va jouer avec maintenant le Maroc et qui s'adapte, qui s'adapte. Hein? Nous pensons que quand même, il y en a des deux à gagner. Ou même, qui soit dit, est-ce qu'on attend Maroc à battre la France? Ou bien est-ce qu'on attend la France à battre Maroc? Dim, relez-nous pour dire nous qui côté ou attendez nous, qui côté ou écoutez radio. Donc, je pense que je dis à nous tout dans le mondial, tout le monde qui est dans le mondial, yo, maintenant, je souhaite que vous soyez capable encore. Gardez mondial, yo, de la paix, nous pas, mes amis, nous pas Paris, madame, nous pas Paris, mesdames, yo. Et parce que après mondial la fini, on a besoin de mesdames pour faire manger pour nous, on a besoin de l'argent, on a besoin de machines pour nous voyager, nous pas parier machine nous faire bagaille monsieur pour nous rire, ou même qui ont télévision, hein, vous comprenez, chita partager chita ensemble avec les amis, nous chita nous garder rire, manifester contentement nous, mais pas goût, mais à nous garder Noël là comme un maximum jour de paix. Bien, restez avec nous tout à l'heure, on a fini avec la France pour nous connaître qui sa sélection française a porté pour journée, je veux dire. Et maintenant, au même tour, pour nous connaître qui ça, le Maroc, lui-même capable faire. Est-ce que Maroc là, c'est vini le vini comme c'est Maroc, il est nommé quand même, et qu'il cabaye tout le pour gâter. Ouais, parce que français, on va d'accord. Bah, français, on va d'accord. Donc, nous, les bleus, matin, Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps, la bande titulaire, les remplaçants heureux.
Voilà, monsieur, et Mathieu, il sentit il très heureux pour lui capable et choisi joueur qu'il a gagné pour qui capable servir comme art pour gérer, voilà, et les égos, voilà, pour affronter, et jeudi, mercredi, matin, ça, au Maroc en demi-finale. Monsieur, il t'a pensé là pour l'appeler, pour toujours gagner un noyau qui est très dur dans le et jouer ça depuis le commencement, au début compétition, il t'a toujours pensé comme ça, le travail très dur, et il espérait que pour continuer le travail dur, de façon à ce que pour capable affronter le Maroc. Donc, jeudi à ou même qui pourrait aller assister à ça. Et nous demandons même qu'ils ont dit avec sa Didier Dia, c'est à Qatar, il dirige les PME prestigieuses, voilà, de 24 joueurs de football, 24 joueurs de football qui à l'autre bois, donc c'est moitié seulement qui a joué dans le premier rôle là, voilà, et quart final, et pour le quart de finale. Et pour le quart de finale, lors du match acharné face à l'Angleterre, 2-1, le sélectionneur s'est une nouvelle fois appuyé sur 11 constitués de titulaires, indéboulonnables. Ça veut dire que je dis à son match qui a vraiment dur, côté nègre cap souterrain là, français pral météo là. Sur série des nègres ou pas qu'à retirer sous terre, sur série des nègres qui vissaient sous terre, ça, ouais, et qui gagnent effectif pour capable tourner vers l'histoire du troisième match du groupe, voilà, et de ça que ils ont gagné, ils ont été coiffés pour entrer dans huitième de finale. Donc, on est là maintenant, et pas oublier que, côté que, ils étaient perdus face avec Tunisiens et Nazis. Et contre Anglais, seulement ils étaient capables voilà, démêler pour retirer tête dans sa outil là. Donc, mais espérez que jeudi à là, ils ont préparé une formation pour y aller dominer, hein, pour y aller dominer et ils ont quoi que bléo eux-mêmes. Qui était en face anglais, tu travailles, ouais, tu travailles anglais pour être capable de rentrer dans la demi-finale. Donc, quand il y a là, tu passes qui était catégorie anglais, côté que il n'y a pas joué aujourd'hui à là, voilà, contre le Maroc, à 20 h métropolitaine, tu pourras jouer avec le Maroc dans le stade Al-Bayt. Planté au milieu du désert, aïe aïe aïe, à l'avant-dernière étape et de la mission spéciale pour décrocher une troisième étoile de champion du monde, devrait une nouvelle fois être confié au même acteur à la tête des Bleus depuis 10 ans, Deschamps. Et pas se mettre dans l'art de gérer les égos et ceux des footballeurs ne sont pas des plus malléables. Et Français, je dis, habité dans la tête là, et au Qatar, après avoir passé, et maintenant le Maroc, il met dans la tête là. Et il prend un troisième coup. Mais est-ce que l'Argentine, lui-même, qui est déjà qualifiée, qui a 3 la qualité tout, et qui a 2 la qualité tout, est-ce qu'elle prend d'accord maintenant pour que Français au passé, donc Argentine soif. Donc nous espérons que quand même va gagner une belle finale qu'a faite entre ces deux équipes. Donc ou le Maroc, ou le Maroc, ou bien la France. Parce que en mondial, tout peut faire. En mondial, tout peut faire. Quelle que soit façon
hauteur grand mounouye ou ka tombe. Ou ka tombe. Donc, je pense que quand même, il y a un bel match plus tard. Nous espérons que tout le monde qui va regarder le match à eux, nous espérons que et on va quitter les commentaires ou même pour dire qui est-ce, oui, hein, combien la France a battu. Voilà, combien la France. Et combien le Maroc a battu. Ah, si c'est pour Maroc, dis-moi combien le Maroc a battu. Si c'est pour la France, dis-moi combien la France a battu. C'était un plaisir avec vous pour matin et j'espère que nous rencontrer plus tard. Pas oublier que mon qui était ensemble avec moi, c'était le Bicard. Et ensuite, maintenant, ou même qui oublie que pour faire ça, que tu as attendu, activez du cloche par là. Et puis, boule tout à l'heure.